Les yeux et on se concentre sur la respiration, sur le souffle, le flux et le reflux du souffle à l'intérieur de toi, comme une grande vague qui envahit l'intégralité du corps physique à chaque inspire. Et à chaque expire qui emmène avec elle toutes les petites contrariétés, les choses désagréables qui ont pu se produire durant cette dernière semaine. On est en conscience dans le souffle, dans la respiration, sans tenter de contrôler, en étant simplement observateur. Puis nous allons venir placer notre conscience dans notre chakra racine, à la base de la colonne vertébrale. On visualise ce chakra racine, cette belle énergie rouge, rouge vif, un rouge éclatant, qui irradie jusque vers les pieds, dans tout le bas du corps, cette belle énergie enveloppante, dense, qui se renforce à chaque inspire pour devenir de plus en plus dense et pour ancrer encore davantage le bas du corps dans la terre-mère. À chaque expire, toutes les contrariétés d'ordre familial ou bien d'ordre matériel, tout s'envole pour être confié à l'univers et être transmuté en énergie positive. Puis, nous allons placer notre conscience dans le chakra sacré, en dessous du nombril. Et on visualise ce chakra, sa belle couleur orange. Un orange bien dense, une énergie forte, lumineuse, claire. Et à chaque inspire, on vient renforcer ce chakra sacré, en lui emmenant encore plus d'énergie, encore plus de force, de densité. Et à chaque expire, toutes les émotions liées à la famille, aux personnes que l'on aime, toutes ces émotions s'envolent pour être confiées à l'univers et être transmuté en énergie positive qui sera rendue lorsque nous en aurons besoin. Puis on vient placer sa conscience dans le chakra du plexus. On visualise ce beau réservoir jaune, cette énergie jaune qui emplit ce réservoir. Ce réservoir qui contient toutes les émotions, toutes les contrariétés, toutes les choses positives également, un beau réservoir, un beau vase qui brille comme un soleil intérieur. Et l'expire vient nettoyer l'énergie de ce vase, toutes les choses négatives, désagréables, toutes sont retirées du vase pour être confiées à l'univers à chaque expire. Tandis que l'inspire amène une énergie positive qui permet au chakra du plexus de se renforcer
devenir plus dense, plus fort. Puis nous venons placer notre conscience dans notre chakra du cœur. On visualise ce chakra du cœur, cette belle énergie verte d'un vert émeraude, un vert franc, magnifique, lumineux. Et à chaque inspire, on vient renforcer l'énergie de cette lumière verte du chakra du cœur, la renforcer pour qu'elle irradie encore plus et encore plus loin, tout autour du corps physique. Et à chaque expire, on visualise toutes les peurs qui s'envolent pour être confiées à l'univers et être transmutées en énergie positive qui nous sera rendue lorsque nous en aurons besoin. Puis nous venons placer notre conscience dans le chakra de la gorge. Visualise ce chakra de la gorge, sa belle couleur bleu clair. On visualise ce chakra qui est expansé et qui à chaque inspire vient se renforcer, vient s'ouvrir, vient irradier tout autour du cou, vient libérer les paroles avec harmonie, calme et bienveillance. Et à chaque expire, tous les mots difficiles, les paroles désagréables, les non-dits, tout s'envole pour être confié à l'univers et être transmuté en énergie positive. Nous venons placer notre conscience dans notre chakra du troisième œil. On visualise ce chakra du troisième œil, sa belle couleur bleu indigo, un bleu violet. À chaque inspire, on amène la lumière, l'énergie pour ouvrir encore davantage ce chakra, pour lui permettre de s'expanser, de grandir. Et à chaque expire, toutes les ruminations mentales, les idées parasites, tout s'envole pour être confié à l'univers et être transmuté en énergie positive. Puis nous venons placer notre conscience dans notre chakra couronne au sommet de la tête. On perçoit qu'il s'ouvre tranquillement, un peu comme des mains qui semblent accueillir l'énergie de l'univers, ou comme une fleur, qui s'ouvre tranquillement et qui absorbe, qui permet à l'énergie de l'univers d'entrer en nous, et de se diffuser dans chacune des parties de notre corps, en passant par chacun des chakras principaux, le troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus, le sacré, le racine, puis jusqu'au pied. Et c'est ainsi parfaitement aligné que nous allons avancer sur notre chemin. En prenant le temps d'observer aujourd'hui ce chemin pour voir si des choses ont changé. Peut-être que la nature est différente aujourd'hui. Peut-être que le chemin est plus droit ou plus sinueux. Peut-être qu'il est lumineux ou bien ensoleillé. Ou bien peut-être qu'il est couvert. C'est vous qui voyez, vous avancez tranquillement sur ce chemin, en confiance. Vous êtes parfaitement à votre place sur le chemin.
Vous y avancez sans aucune inquiétude, sans aucune crainte, en étant parfaitement à l'aise et en prenant le temps d'observer tout ce qui vous entoure, en accordant de l'importance à chaque chose autour de vous. Vous avancez et vous prenez également le temps d'écouter peut-être vos pas sur le sol, le chant des oiseaux, les feuilles des arbres qui bougent, le vent. Vous êtes parfaitement entouré de tous ces bruits harmonieux qui vous accompagnent sur le chemin. Et vous avancez encore jusqu'à entrer dans une forêt bien dense, bien feuillue, que vous traversez tranquillement. Vous êtes parfaitement protégé dans cette forêt. Continuez d'avancer jusqu'à atteindre un grand bâtiment. Un bâtiment immense, gigantesque. Un immense supermarché. Et vous êtes là devant ce supermarché, tranquille, serein. C'est un bâtiment carré, aux proportions démesurées qui se trouvent devant vous. Vous êtes seul, il est là pour vous. Et vous allez entrer dans ce supermarché. C'est un supermarché un peu atypique dans lequel vous entrez. Des rayons à perte de vue. Vous pouvez prendre un panier ou bien un chariot. C'est vous qui voyez. Dans les rayons de ce supermarché se trouvent toutes les choses dont vous avez besoin ou envie pour votre vie. Qu'elles soient matérielles ou bien qu'elles soient des projets, des envies, des personnes. Tout ce dont vous avez besoin ou envie se trouve dans ce supermarché, dans ces rayons. Et vous allez tranquillement faire vos courses dans ce supermarché et remplir votre caddie. Tout est à votre portée. Tout est à votre disposition. Peut-être un nouveau travail, peut-être un peu plus d'argent, peut-être de nouveaux amis, une nouvelle voiture. Tout est là. Tout ce dont vous avez besoin est là, à votre disposition. Et à chaque fois que vous posez quelque chose au fond de votre caddie, vous sentez en vous cette joie d'avoir obtenu ce dont vous aviez besoin ou envie. Une joie pure, une joie intense d'avoir dans votre caddie ce dont vous avez besoin ou envie. Vous continuez d'avancer dans les rayons du supermarché. Tout est là, vous êtes parfaitement à votre place. Tout est à votre disposition et vous pouvez choisir chacune des choses dont vous avez besoin ou envie à partir du moment où elles ne sont que pour vous, uniquement pour vous, et qu'elles ne concernent que vous. Vous faites le tour de toutes les allées. Petit à petit, votre caddie se remplit. Il se remplit encore davantage. Puis, lorsque vous aurez terminé d'emplir
entièrement votre caddie de toutes ces choses dont vous avez besoin ou envie, vous allez pouvoir simplement ressortir, puisque ce supermarché est un supermarché gratuit où les choses sont simplement à disposition et où il suffit de venir les chercher pour les obtenir, où il suffit de les vouloir pour les obtenir. Et ainsi, vous allez ressortir avec tous vos articles et simplement vous asseoir devant le supermarché avec ce caddie. Vous vous asseyez avec votre caddie et vous allez prendre un à un chacun des articles en l'observant attentivement, lui ou sa représentation, et en vous disant pour chaque chose que vous prenez dans votre caddie, ceci est à moi, cela fait partie de ma vie. Ceci est à moi, cela fait partie de ma vie. Pour chacun des articles, vous reproduisez le même geste. Ceci est à moi, cela fait partie de ma vie. Une fois que vous aurez retiré et intégré chacun des articles à l'intérieur de vous, vous allez simplement pouvoir reprendre votre chemin en direction de votre maison dans la clairière, avec vous toutes ces choses dont vous avez besoin ou envie. Vous entrez dans votre jardin, puis dans votre maison, tranquillement, pour venir y déposer toutes ces choses qui à présent sont à vous, vous appartiennent, que nul ne peut vous enlever à part vous-même. Et c'est ainsi, serein, que vous allez pouvoir prendre le temps d'écouter le son, tandis que vous vous imaginez évoluer, vivre avec toutes ces nouvelles choses qui font à présent partie de votre vie.
Thank you.
nous allons prendre un petit temps de silence durant lequel je vous invite à répéter la phrase « J'ai, j'obtiens et je suis ce que je pense. » « J'ai, j'obtiens et je suis ce que je pense. » Et on reprend conscience de ce qui nous entoure. Et lorsqu'on est prêt, on ouvre les yeux.